Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 6ème épisode de Kirby Star Allies sur Switch. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc on se trouve, je vous avais quitté la dernière fois, c'est-à-dire au début du 3ème monde, le Bastion des Ombres, au Fort Jamal. Alors Jamalou, je sais pas, mais en tout cas Jamal. Et la dernière fois, on avait terminé le monde, on avait recruté l'ami Meta Knight. Et on avait fait le premier niveau, la voie de la Barbacane. On va se préparer à explorer cette grande structure que vous voyez juste au-dessus de moi. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me signaler les mots épiques et les fails que vous croiserez au cours de cet épisode avec les hashtags associés hashtag épique, PIC et hashtag fail, F-A-I-L, et le moment exact que vous voulez ajouter à la compile. Et sans plus tarder, je vous propose de prendre ce truc pour passer de l'autre côté et nous arrivons au rempart Est. Donc nous avons une grosse pièce de tableau ainsi qu'un interrupteur à trouver. C'est parti. Alors, j'ai apprécié que depuis le dernier épisode, forcément, ça n'a pas gardé les allées, parce que quand vous intégrez le jeu, ça ne garde pas les allées. Je suis passé au Palais des Rêves pour récupérer Meta Knight et Dadidou. Et... Oh, mais c'est sympa, ça. On dirait le truc de Ness et Lucas dans Smash Bros. Et je me suis dit que j'allais récupérer le Psy-Shock pour moi, parce que il a l'air de pas trop picoter des hannetons. Donc, on va y aller en mode tranquillou, je dirais même pouette. Ok, première section, tout ce qu'il y a de plus simple. Attends. Je vais tester un truc. Attends. Copain ! Jamal Bam. Oh, qu'est-ce que ça fait ? Oh, ça leur donne quoi ? D'accord, c'est du pouvoir électrique. Ok. Bah écoutez, prenez tous électro-épée, électro-bâton. Attends, Dadidou. Voilà, Dadidou, t'auras de l'électricité aussi. En fait, on est tellement électrique qu'on va pouvoir faire, quoi, pour avoir chanté du ACDC. Eh oui. Genre, t'arrives, tu fais Thunder. Na 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 na. Thunder. Na 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 na. Ah, mais il est vachement cool le Psy-Shock là. Il est vachement cool. C'est surtout que. Merde. Oh, papa. Oh, bon, bah écoute, vas-y, Meta Knight, pète-y la gueule. Moi, je voulais y aller avec une attaque psy à distance. Voilà, je vous explose tous le pimpon. Attends. Je suis sûr qu'avec une attaque psy. Ouais, en plus, ils sont tous en électrique. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Deux pièces de tableau. On va les prendre. Oups. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un truc caché par là-haut? Non, j'ai pas l'impression. On continue. Ah, oh, j'adore ce truc. Ah, j'adore ce pouvoir de Kirby. Tiens, hé, petit sondage dans les commentaires. Pour ceux qui ont testé le jeu ou qui connaissent relativement bien l'univers de Kirby, c'est quoi votre pouvoir Kirby préféré? Moi j'avoue que le pouvoir psy il se pose là, hein. Franchement je le trouve cool. En plus il y a des trucs qui rapportent 10 étoiles, ça veut dire qu'on va en envie effectivement. Ah Jamal Bam, j'avais pas vu qu'il avait pris quelques dégâts. Y a pas quelque chose dans le coin? Non. Eh bah c'est parti pour la zone suivante. Oh, je sens qu'on va se marrer ici. Allez, tout le monde descend. On regrimpe. Hop, on va peut-être éviter de marcher dans les pics. Alors, il y avait un gym, et on va garder. Pour l'instant, je vais garder ma compo d'équipe pour l'instant. Je l'aime bien. Hop, je prends ça. Oh, que vois-je, attends. Non. J'ai pas envie de perdre mon poids. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Moi, je vous dis, hop, on va. Ah, c'est là-haut. Attends. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, de la bouffe et une pièce de tableau. C'est pas mal, là. Qu'est-ce qu'on a? Hop. On va lui exploser le pimpon. Non. Je voulais faire ça. Mais j'adore ce pouvoir, je le trouve vraiment super cool. Rien de particulier par ici. Eh ben, on va continuer. Hop là. Section suivante. On a le fouet est cool aussi, mais je garde mon Kirby de type psy. Boum. C'est vraiment pas mal comme truc. Allez, on descend. Ah, c'est ça que je voulais faire pour avoir les petites étoiles. Les petits malins. Bah, je peux vous la jouer, mais je connais pas tous les accords. Ok, un Bugsy, on va grimper. Oh, comment ça lui explose le pimpon, pouvoir psy. Or non, Bugsy, je vais pas le recruter.
J'aime bien ce compo d'équipe actuelle, Daddy Doo, Meta Knight et Jamal Bam. Ouais, Jamal Bam. C'est marrant à prononcer comme Jamal Bam. Bon, tu meurs quand tu veux, Vexy. Hein. Voilà. Non, je vais pas prendre son pouvoir. Personne ne va le prendre. Par contre, on va continuer. Oh, attends, les gars. Ah, merde. Les gars, vous pouvez péter ça. C'est un pouvoir d'ami. Allié, qu'est-ce que c'est cette icône de pouvoir? Me dis pas que c'est Bugsy. Ou est-ce que je peux revenir en arrière? Je peux à condition de bien spammer. Ok, je peux pas. Eh ben, tant pis pour ce truc. Ouais, j'ai dit tant pis les bitches. C'est dommage. Je trouve ça dommage que des fois le jeu t'impose certains pouvoirs. Ce que je veux dire, moi j'aime bien mon... J'aime bien ma compo d'équipe, mais bon, pour une pièce de puzzle, enfin remarquez, elle pourra peut-être servir plus tard, mais là... Attends. Toi t'es louche, non? Ok. Là je pensais bien. Ah, salut. Touché. Bon, Kirby, il faudrait que t'apprennes à bouger un peu plus vite. Hein. Voilà, super. Ok, ça monte. Je vais aller à gauche. Ah, puis t'es sérieux, il faut leur truc là. Attends, c'est quoi le pouvoir? C'est. Bon, tant pis. Viens ici, Scarino. Est-ce qu'avec Scarino je peux passer? Non? Ok, qu'est-ce que j'ai fait? Lance à mine. Ah! Ta. Eh mais je peux pas revenir dans l'autre section. Ok, bon. Eh ben allons-y hein. Dis-moi, j'espère juste que c'est là qu'il y a l'interrupteur par exemple. Ok, alors on va avoir besoin d'un truc électrique. Pour ça, on a ce qu'il faut. Alors attends, déjà je vais faire un petit coup de lance-ami. Voilà. Et maintenant, ceux qui ont un truc électrique, venez ici s'il vous plaît. Merci. Non, parce que moi j'arrive ici et je récupère la pièce arc-en-ciel. Yeah. Maintenant, il faut juste qu'on trouve le gros interrupteur et on est bon. On vient de gagner une vie. D'ailleurs, ça me fait penser, on peut toujours parier sur le nombre de vies à la fin de la série. Qui, si le jeu est aussi difficile qu'il veut bien nous le montrer, lol. Il risque d'être assez élevé parce que bon, on peut pas vraiment dire que ce jeu brille par sa courbe de difficulté. Hein. Oh, ok, une pièce de puzzle là-dedans. Rien par ici. Parce que je trouve toujours pas le gros interrupteur là, les gars. Oh, stylé ce coup de corne vers le haut. Ok, section suivante, y a pas un truc genre si je fais. Ou si je fais comme ça, non? Ok. Et ben, section suivante. Allez, on leur explose tous le pimpon à coups de corne. Ça sent la baston quand même, car ici. Hein. Par sécurité, je me dis qu'on a peut-être une miniature là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on fait le pont. On refait le pont des amis. Le pont d'amis, pardon. Et du coup, on a machin qui doit... Attends, il doit aller où, machin? Attends, je vais aller en reconnaissance. Ah, il doit aller tout en bas. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a par... Ok, ici... Ah, d'accord. Non. Ok, l'interrupteur est en bas. Ok, donc on est à la fin du niveau... Mais il y a l'interrupteur. Donc, on refait le pont. On va essayer de passer. Non, je voudrais passer ce truc-là. Voilà, plus pour passer. Et l'idée, c'est qu'il faut descendre tout de suite pour qu'ils prennent le truc. Là, ensuite. Ah oui, mais non. Compliqué, cette affaire. Au pire, je sais comment je peux procéder.
On descend ici. Tu prends ce truc là, voilà. Ensuite, on descend là. Puis on descend un peu plus bas. Et après, tu vas ouvrir ce truc. Yay! Et là, normalement, on doit pouvoir accéder au gros interrupteur en passant de ce côté. Oh, rien de que Joe. Je m'en fous, je m'en scarie. Voilà! Interrupteur, les bitches! Comme ça, on a une étape bonus qui vient de se débloquer. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ok. Et 3 pièces de tableau! Alors, il y avait une autre sortie. Eh ben, c'est un niveau rondement mené, mesdames et messieurs les gens. Allez, est-ce qu'on peut réussir à atteindre le niveau 1 au jeu de fin d'étape? Non. On s'accroche au 2. Toujours ça de près. Ça va récupérer 15 points étoiles, ainsi qu'un peu de bouffe. Est-ce qu'on a besoin de bouffe? Non, tout le monde est à fond. Tout le monde, il est à fond. Ah, puis le pièce arc-en-ciel vient se mettre ici. Ok, bah c'est pas mal du tout, tout ça. Donc on a la prochaine étape par ici, le chemin de ronde, avec encore un interrupteur, pour le palais des rêves, et ici nous avons le secteur A. C'est le même secteur A que Star Fox. Ouais, Star Fox 64. Voilà, comme ça, on valide tout ça, et on passe au niveau suivant, le secteur A. El Sector A. Der Sector A. Alors, j'ai d'eau, non. Glace non plus. Moi, je vous encorde, voilà. Ah! Il faut glacer eau, vous faites chier, hein. Bon, et ben, bye bye, je vais prendre l'eau. Ouais, non, le curling, je fais pas, moi, je reste à l'eau, hein. J'ai quand même dû sacrifier mon scarabée pour ça. Je suis un peu mat quand même. Parce que je l'aime bien moi le scarabée. Ok, attaque bulle d'eau, attaque hydrocanon. Attaque surf, en fait Kirby c'est un Pokémon eau quand il fait ça. Mais sérieux, c'est attaque surf. Quand tu fais vers l'eau, ça fait attaque. Eh, hey, attaque cascade. C'est bulle d'eau. Mais j'aime bien l'attaque surf, je trouve ça marrant. Ok, et ben je vais tous vous péter le pimpon, regardez, je suis un Pokémon de type O. Oh, 2 pièces de tableau et un peu de bouffe. Et ben zone suivante. Ma foi. Alors qu'avons-nous? Des ressorts, je sais qu'on peut pas faire copain avec les ressorts. En fait le Kirby O est pas mal. Je suis là. Je suis en train de surfer comme un crétin, alors qu'il y a rien, tout va bien. Ok, bon, c'est juste du truc, c'est petit pousse la gueule. Aïe, je me suis fait. Ok, donc on a ces trucs là, bon, pas forcément, il doit résister au type O. Et c'est fini, d'accord. Ok, bah, 2 pièces de puzzle. Et on passe à la zone suivante. Alors, quel est le fuc ici? Quel est le fuc? Une question chez vous. Est-ce qu'il y aura besoin du feu ou du oiseau? Vous savez quoi? L'oiseau, je vais le prendre avec Kirby. Elle. On doit pouvoir voler. On a un truc avec la pluie. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Tiens, on va regarder. Contrôler les vents et voler dans les cieux avec ses amis, voilà une sensation sans égale. Imprégner une arme avec un effet d'air pour lui permettre de générer un courant d'air qui vous aidera à atteindre les sommets. Donc, lance-plume, direction-plume, force condor, bombe combo, piqué combo. Donc, du coup, si je suis en train de me dire. Alors, c'est que tu fonces. Attaque rapace! Mais non, c'est bon, regardez, je vais vous péter le pimpon, les mecs! Voilà. Tiens, qui veut le pouvoir de l'air? Ouais, vous allez tous avoir des aérotrucs, les mecs! Voilà. Vous êtes tous bénis par Kirby, le dernier maître de l'air. Je crois que j'ai trouvé le titre de l'épisode, Kirby, le dernier maître de l'air. Attends, c'est... Ouais, la série, c'est bien Avatar, le dernier maître de l'air. Ouais, Kirby, le dernier maître de l'air. Attaque rapace! Du
pidi-pitu-pitu, je vais vous péter le pimpon, je vais vous péter le pimpon, bande de petits pimpons. Et après on chantera tous ensemble, tire-li pimpon, sur le chihuahua. Oh, Dadidou, il est en train de prendre cher là. Non, mais Dadidou, il va pas, espèce de crétin! Tu vois pas que t'as plus de points de vie? Ouais, c'est plutôt Daddy Poulet, ouais! Bon, et ben Daddy. Attends, Dadidou, est-ce qu'on peut? On va le réanimer. Dadidou, reviens avec nous! Boum! Ok, et ben Dadidou, tu vas récupérer la bouffe, hein? Attends. Et bim! Pièce arc-en-ciel, les bitches! Ouais, vraiment que ça allait m'échapper, le petit truc là. Allez, hop. Ah, mais j'aime bien le Kirby oiseau. Bon, en même temps, j'y j'aime bien à chaque fois que je récupère un truc, forcément. Mais mon petit préféré, c'est le Kirby Psy, il est vraiment classe. Bon, écoute, le lever d'art avec ton bouclier de glace, là. Kirby, il est là-bas. C'est ça qui est con, c'est qu'à force de spammer, je retrouve même plus Kirby. Frigorifique. Non. Frigorifique. Tu vas voir, c'est le jour où un type vol va battre un type glace. Oh, comment lui exploser le pimpon? Non, je vais rester comme ça. Quoique, allez. Copain! Et comme Dadidou, il fait un peu le boulet, moi je dis on va remplacer Dadidou. Ah merde, c'est juste un chili. Tu sens le visage qui a fait une erreur là. Allez. Ouh, attends, l'étoile bleue elle rapporte combien? Elle rapporte 30. Plus d'huile pour tout le monde. Et c'est terminé. Ben voilà, c'était un petit niveau vraiment tranquillou, je dirais même pouet-pouet. Allez, est-ce qu'on peut accéder au 1? Ce serait cool. Bon, oh, c'est pas mal ça. Ah, presque. Bon. On est toujours au 2, c'est déjà ça. On reste constant à ce niveau-là. Alors. 8 pièces, c'est vrai qu'on continue à compléter celui-là. J'aimerais juste que la pièce arc-en-ciel aille dans le grand. Ah, bon, il va dans celui-là. Elle va dans celui-là parce que c'est une pièce. Parlons français correctement, nom de Zeus. Allez, secteur A, c'est terminé. Allez, on va continuer et on va partir au chemin d'or. Donc on a le palais des rêves ici. Ouais, puis on a une grosse étape par ici. Donc on pourrait faire le cliffhanger d'un espèce de boss qui nous attendrait au prochain épisode. Puis au palais des rêves, on pourrait récupérer Dadidou ou un bandana. Alors, donc nous avons pièce de puzzle arc-en-ciel plus interrupteur probablement pour débloquer le palais des rêves qui est quelque part par là. Enfin, qui apparaissait quelque part par là. Alors, est-ce que je vais pouvoir garder mon Kirby's oiseau? Oh, on va vers la gauche au lieu d'aller vers la droite! Allez Kirby, tu peux le faire. Ok, hop, hop. Oh, c'était quoi ça? Moi, j'aurais voulu tester. Attends, je vais voir si je peux le faire réapparaître. Et limite, je remplacerai Chili par ça. Attends, Chili, je sais pas pourquoi, je suis sur 2 minutes, tu peux planter Chili, Chihuahua. Mais le petit Chihuahua ne voulait pas lâcher mon tibia. Alors j'ai botté. Oh, c'est un psy, d'accord, c'est un psy. Copain! Et tu vas prendre la place de Chili. Voilà. Tu viens avec. Et maintenant, j'ai la chanson du Chihuahua en tête. C'était un petit Chihuahua qui allait d'une rue à l'autre. Et si vous connaissez pas, je crois que c'est le sketch de la... C'est pas le sketch de la... Enfin, c'est un truc avec un mec qui veut acheter du Wi-Fi. C'est genre... En plus, les noms des magasins, ils ont des journaux. C'est genre, j'ai tout essayé, mais rien Wi-Fi. Qu'est-ce qu'une fille comme vous fait dans un endroit comme Wi-Fi? Attends, c'est les 2 minutes du peuple. Hein. Les jeux de mots, ils vont les chercher très très loin. Mais ça reste une de mes références en matière d'humour parce que... Mother fucking François Pérusse, quoi. Oh, j'aurais voulu tester le bâton. Alors, je vais arriver. Alors, tu vas te retourner, je vais foncer vers toi et je vais t'attaquer avec un bâton. Super. Alors, maintenant, maintenant, tu vas te retourner, je vais foncer vers toi et je vais t'attaquer avec un couteau. Génial. Alors, maintenant, tu vas te retourner, tu abaisses ton froc, je vais foncer vers toi et tu vois ce que je veux dire. Ah, mais j'ai pas été entraîné pour ça. Oh, ça, c'était une attaque aéropiquée, tellement elle a bien loué, tellement elle a bien réussi. Doucement. Allez, hop, continue.
Là, je tombe à une pique, littéralement. Ah, d'accord, il fallait Monsieur Rocher pour passer. Hé, hey, Rocher, viens ici. Tu vas remplacer Jamal Bam, viens par là. Ah, mais en plus, vise correctement, bordel. Oh, porte à sens unique. Double sens, pardon. Sens unique, c'est ils ont 3 étoiles, bordel. Ok, c'est quoi le fuc ici? Attends, s'il y a un psy... Non, merde, j'appuie sur la touche capture, ça va là. Voilà, il y a psy shock, je prends. Ah d'accord, tu fais un rocher électrique. Oh, oh mais c'est classe ça. On dirait un bloc de ma... géokinésie. Oh, comment c'est trop la classe. Attends, reviens ici. Reviens ici. Allez, voilà. Comment c'est trop la classe ce combo. Parce qu'en plus on récupère pas moins de 3 pièces de puzzle. Moi je vous le dis, c'est l'air. En plus de ça, on a un double psychoc dans l'équipe. Alors moi je dis, ça c'est la top classe les top fans. Oh oui, c'est la top classe. Alors le rocher, tu vas rester ici. Effectivement, on avait besoin pour un truc secret. Moi je trouve ça sympa. Eh ben oui mon cher. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le fuc ici? Oh. Ok, il y avait 2 pièces qui traînaient ici. Bon, moi je les prends, hein. Si tu me les donnes, je les prends. N'empêche Kirby, tu dirais pas avec sa casquette, ça fait limite Kirby de la cité, tu sais. Mais il a les pouvoirs psychiques. Ok, on récupère des petites étoiles. Attends, est-ce qu'on... Oh, on risque d'en avoir besoin. Rocher, viens ici. Ouais, on va en avoir besoin. Faut qu'il repop. On va prendre un peu de distance. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce genre de jeu. Tu prends de la distance, le machin revient. Voilà, viens ici. Tu vas remplacer... Ah bah non, on a déjà un choix, Rock, je suis con. Bon. Allez, tombe là-dessus. Boom. Ah, j'ai même pas fait gaffe, c'était une statue de Kirby. Oh, mais c'est mignon tout plein. Ah là, il faut qu'on en refasse une. Allez, Schwarok, à toi de jouer. Boum. Est-ce qu'on aurait pas un truc caché? Oh, un trésor. Pièce arc-en-ciel. Pièce arc-en-ciel. Ah, ça c'est bien. Attends, moi je dis c'est bien. Tiens, même, c'est pas mal là. Géokinésie, je vais tenter le coup. Boum. En plus, il nous récupère les pièces. Oh, et en plus, il nous active un truc à double sens, mais allons-y. C'est vrai qu'on a toujours trouvé l'interrupteur pour le palais des rêves. C'est bon à savoir. Ah bah, il est là. Interrupteur, les bitches. Voilà, comme ça, on a accès au palais des rêves du monde 3. Alors, je sais pas, il y a combien de monde dans ce jeu, je sais pas. J'irai peut-être 5 ou 6, ce serait pas mal. Enfin, quoique, quand j'ai chargé le fichier, on était à 20%, donc... Enfin, 21% du jeu. Donc, c'est-à-dire que... Moi, je pense que les mondes devaient être de plus en plus, peut-être 4 ou 5 de mondes. Enfin, on verra bien, on verra bien. Ok, une estrade de réattribution. Non, j'aime bien cette composition d'équipe. Non. Oh, attends, est-ce qu'on aurait de la baston qui nous attend? Oh, attends. Je vais tester le bâton. Vas-y. Kirby bâton. Qu'est-ce qu'il peut faire, Kirby bâton? Devenez un spécialiste du combat au bâton et faites pleuvoir les coups sur vos ennemis. Tout droit venu d'une contrée lointaine, le bâton télescopique peut être utilisé comme une perche pour sauter par-dessus les obstacles. Donc, bâton donc dans les 10, dans les différentes directions. Bas plus Y en l'air, ça fait saut à la perche. Donc, attends, je vais tester. Comment c'est trop bien. Oh. Il va y avoir de la baston. Je vais disparaître, si ça se trouve, ça fera peut-être une meilleure miniature que la deuxième version du pont des amis. Oh, bonjour. J'en profite pour boire un coup. Oh, bonjour, je vous connais pas, vous. Vous êtes qui? Alors, je sais pas si c'est doublé, parce que j'ai pas le retour de son prix. C'est comme ça qu'on salue les gens sur ma planète d'origine. Je suis le général mage Francisca. Avec les deux autres généraux, mages, je commande le bastion des ombres connu sous le nom de Fort Jamal. Nous allons rassembler les sombres fragments du Jamaker qui ont été disséminés à travers l'univers glacé. Une fois notre but atteint,
Notre vision deviendra enfin une réalité incontestable, irréfutable, parfaite. Mais je n'ai pas de temps à perdre en bavardage futile. Si jamais tu te mets en tête de t'opposer à nous, tu m'obligeras à t'enfermer dans une prison de glace pour toujours. Et ben voilà, j'ai ma miniature, général glacial Francisca. Alors, juste pause le temps de revenir. Ok, donc j'ai une meilleure miniature. Et je m'attendais très honnêtement à ce que le boss soit au niveau suivant. Donc c'est une agréable surprise. Donc du coup, je peux faire poke. Je peux la poke comme je veux. Hey, Francisca, j'ai l'impression d'être... Je peux faire des coups avec le bâton. Donnez-moi le bâton de type... Ok, j'ai un électro-bâton. Oh yeah! Allez, tu n'aimes pas les attaques électriques. Attends. Je peux le charger. Oh! Attends! Est-ce que Francisca, on peut faire copain avec elle? Poke. Regarde comment je la poke! Poke. Je suis littéralement en train de spammer le truc pour taper. Non mais... Je suis littéralement en train de faire ça. Copain? Copain! Pas copain. Bon. C'est la première fois que je peux pas faire copain avec un boss. Moi je voulais faire copain. Mais on lui a pété le pimpon. Enfin, remarquez, ça aurait été ironique qu'on puisse faire copain avec elle. Bon. C'est quoi le fuc avec les... Donc, ça s'appelle des jamaqueurs, ces machins. Ah, d'accord, parce qu'elle le reprend et elle se barre. À mon avis, on la reverra. Mais c'était sympa, ce petit combat de boss. C'était sympa. 9 pièces de puzzle. Le deuxième tableau prend forme. Et la pièce arc-en-ciel est utilisée ici. J'ai rien quand même qui complète l'autre, mine de rien. Yay! Donc le palais des rêves est ouvert, nous avons accès au rempart ouest. Et on a accès au palais des rêves si on veut récupérer genre un autre Metanate ou Dadidou. Ouais, je dis ouais. Attendez, ouais, le chemin de ronde, c'est bon. Si je vais voir ici, ouais, ok, on est arrivé au rempart est. Ah, encore, il y a encore les niveaux dessus. Encore loin d'avoir terminé. Je vais juste faire un tour au palais des rêves pour récupérer un Dadidou ou un Bandana Waddledy. Je crois que c'est Bandana Waddledy, ouais. Et je pense qu'on s'arrêtera là, on reprendra au prochain épisode. Je pense que Schwarok, on va le remplacer par Dadidou. Voilà. J'attends toujours que ça ralentisse un peu pour avoir celui que je veux. Donc, roi Dadidou à la place de Schwarok. Bien. Donc, on va ressortir et on va se placer sur le prochain niveau, donc le rempart ouest, où nous n'affronterons probablement pas de boss du coup. Et il y a un interrupteur probablement, soit pour une étape bonus, soit pour accéder à la suite. Mais du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Kirby Star Allies. J'espère que ça vous a plu, quel que soit votre avis. N'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à parler de la chaîne autour de vous, c'est le cœur, vous en avez tout ça, vous le savez. La petite touche pour une question, ça fait plaisir, surtout avec la merde que YouTube nous fait en ce moment, c'est très important d'appuyer dessus. N'hésitez pas à me demander si vous voulez savoir pourquoi. Et n'oubliez pas les mots épiques et fails avec les hashtags associés. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Donc je vous remercie dans tout ça. Je vous remercie, ne changez pas. Je vous remercie une fois de votre soutien. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.